Bonjour à vous, dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir 100 phrases courtes, réponses courtes que vous pourriez utiliser dans une conversation. Lorsque vous avez une conversation avec quelqu'un, vous n'êtes pas obligé toujours de répondre avec une longue phrase. Si vous avez des petites choses à rajouter, la personne peut également continuer à parler si elle avait quelque chose de plus à vous dire. Les réponses courtes comme « Waouh, c'est impressionnant !» Bon travail, qu'on va voir juste après, vous permettront de rajouter un petit quelque chose dans une conversation qui aura beaucoup d'impact. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de faire une phrase longue lorsque vous voulez répondre à quelqu'un. Que je vous dis réponse courte, c'est pas forcément une réponse à une question, c'est juste quelque chose que vous ajoutez dans la conversation pour montrer votre étonnement, votre surprise, votre joie et pour pouvoir continuer la conversation et que vous ayez quelque chose à répondre à la personne que vous avez en face. Tout d'abord, dire le mot en français, l'expression qu'on utiliserait en français. Je vais vous laisser quelques secondes pour essayer de trouver vous-même l'alternative en anglais. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre pause à chaque fois que je dis l'expression en français pour vous laisser le temps de la réflexion. C'est un super exercice parce que lorsque vous-même vous allez vouloir utiliser cette expression, si vous avez dans votre tête par exemple « Waouh, c'est impressionnant », si vous l'avez déjà fait avec moi dans cette vidéo, le fait de trouver l'équivalent en anglais, ça va vous revenir plus facilement lorsque vous allez avoir une vraie conversation. Vous retrouverez toutes ces expressions dans le PDF juste en dessous, vous pourrez ensuite le télécharger et regarder. Si vous voulez de nouveau travailler, ce que vous pouvez faire, c'est cacher la partie anglais, regarder le mot en français et essayer de nouveau de le traduire comme vous le ferez dans cette vidéo. La toute première chose que vous pouvez dire pour ajouter un petit commentaire de surprise, c'est de dire « Waouh ! Waouh !» Si par exemple votre interlocuteur vous montre des photos de vacances ou vous montre sa maison, vous pourriez répondre seulement « Waouh ! Waouh !» pour dire « Waouh !» Comment traduire « c'est impressionnant » ? It's impressive. It's impressive. C'est impressionnant, cette expression, vous pourriez l'utiliser par exemple si la personne vous parle de son salaire mensuel ou quelque chose d'assez ahurissant, vous pourriez dire « Wow, it's impressive ». Vous pouvez tout à fait combiner ces deux premières expressions ensemble. Comment traduire l'expression « bon boulot » ou « t'as fait du bon boulot » ou « bon travail » ? Good job. Good job. N'essayez pas de dire good et ensuite job, mais essayez de lier l'expression comme si les deux mots n'en faisaient qu'un. Good job. Good job. On entend à peine le D de good. Good job. Vous pourriez répondre ça si la personne a passé son TOEIC avec un très bon score, ou si elle a appris une langue étrangère en très peu de temps, ou si elle a fini un travail au boulot dans un laps de temps très court. Good job. L'expression suivante est bien joué. Un petit peu l'équivalent de bon boulot, t'as fait du bon boulot, bien joué. Vous avez par exemple trouvé les chaussures dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence, vous l'avez trouvé en solde sur internet, vous pourriez dire bien joué. Well done, well done. Comment dire tu as de la chance? Lucky you, lucky you. Ou la phrase you're lucky, you're lucky. Vous pourriez par exemple dire « Je vais partir en vacances cet été, je pars aux îles Canaries et je reste un mois. » Wow, lucky you. Vous pouvez tout à fait combiner « wow » qu'on a vu tout au début avec « lucky you » qui voudrait dire « Mais dis donc, t'en as bien de la chance. » Comment dire ensuite « Félicitations ». Congratulations. Congratulations. Attention, cette expression n'est utilisée que dans les contextes vraiment exceptionnels. Si vous vous mariez, si vous avez obtenu un nouveau travail, si vous avez passé une certification hyper importante, mais ne l'utilisez pas à toutes les sauces. En français, on a tendance à l'utiliser un petit peu plus qu'en anglais. En anglais, vous avez vraiment utilisé congratulations, vraiment dans les contextes vraiment qui n'arrivent qu'une ou deux fois dans une vie. Un mariage, un nouveau travail ou des choses comme ça. Vous pourrez également dire la forme contractée, congrats, congrats. Attention, si vous voulez juste dire « Waouh, bravo, félicitations pour ta nouvelle formation » quelque chose comme ça, vous pourriez seulement dire « Well done, well done ». Comment traduire l'expression « pas du tout » ? Si on vous dit « Est-ce que vous aimez les sushis ?» et vous répondez « Ouh, pas du tout ». « Not at all, not at all, j'aime pas du tout ». Comment traduire l'expression « c'est comme tu veux » ou « comme tu veux » ? « As you want, as you want ». Vous pourriez également dire « It's up to you. It's up to you. » Vous pourriez répondre cette petite phrase lorsqu'on vous demande « Do you prefer to order pizza or to go out to the restaurant ?»« Do you prefer to order pizza or to go out to the restaurant ?» Est-ce que tu préfères commander une pizza ou aller au restaurant ? Vous pourriez répondre « As you want. As you want. » C'est comme tu veux. Ou alors « It's up to you. It's up to you. » On laisse décider l'autre personne.
Comment dire? Pas forcément, pas nécessairement, pas obligatoirement. Not necessarily. Not necessarily. Vous ne voulez pas dire non complètement, mais vous ne voulez pas forcément vexer la personne. Si elle vous demande par exemple, est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Do you want me to come with you? Do you want me to come with you? Not necessarily. Not necessarily. Au lieu de lui répondre, ben non, j'ai pas besoin ou non, je veux pas, vous pourrez répondre, c'est pas obligatoire, pas obligatoirement, t'es pas obligé. Not necessarily. Comment traduire c'est vrai? It's true. It's true. Notez bien qu'on ne dit pas it's avec une pause et true ensuite, on essaie de les lier ensemble. It's true. It's true. Vous pourriez répondre ça, par exemple, si la personne vous dit en France, les gens mangent beaucoup de pain. Yeah, it's true. Oui, c'est vrai. In France, people eat a lot of bread, right? Yeah, it's true. Comment dire moi aussi? Me too. Me too. Si la personne vous dit j'adore voyager, I love traveling, vous pourriez répondre me too. Me too. Plutôt de répondre I love traveling too. Ou I love traveling as well. Or I also love traveling. Vous avez vu qu'avec too, also, as well, on dira la même chose. On dira aussi et également. Mais la formulation courte, me too, passe très bien dans une conversation. Comment dire moi non plus? Me neither. Me neither. Sachez qu'on peut également prononcer me neither. Me neither. Cette expression peut être utilisée lorsque la personne dit je n'aime pas quelque chose. Je n'aime pas les voitures. I don't like cars. Me neither. Me neither. Je n'aime pas les voitures et vous répondez moi non plus. Comment dire on se tient au courant? Keep in touch. Keep in touch. La phrase complète est we keep in touch. On reste en contact, on reste au courant, mais on va souvent l'abréger en keep in touch. Vous pourriez utiliser cette phrase-là si vous avez un projet commun. Par exemple, vous devez vous retrouver le lendemain pour aller au cinéma ou quelque chose comme ça, mais vous n'avez pas forcément décidé de l'heure parce qu'un de vous deux n'est pas sûr. Ok, so what time shall we go to the cinema tomorrow? I'm not sure yet. Keep in touch. We just keep in touch. Vous allez vous redire plus tard et vous restez en contact. Comment dire, c'est quoi le problème? Si la personne n'a pas l'air d'aller super bien en face de vous et que vous voyez vraiment qu'elle est malade ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. What's the matter? What's the matter? Littéralement, c'est quoi le problème? Comment confirmer à la personne en face de vous que vous êtes tout à fait d'accord en disant c'est clair, absolument, clairement, bien sûr. Vous avez deux expressions, il y en a d'autres, mais ces deux-là peuvent bien aller. Totally. Totally. Qui littéralement veut dire totalement. Vous pouvez également utiliser absolutely. Absolutely. Vous êtes vraiment d'accord avec ce que la personne dit en face. Par exemple, la personne vous dit Chinese food is the best. Chinese food is the best. Vous pourriez répondre totally. Or absolutely. La nourriture chinoise est vraiment le mieux. J'adore. Et vous répondriez c'est clair, moi aussi, ou clairement ou totalement. Ça marche aussi pour une négation. Si vous dites Paris, c'est vraiment trop bondé, il y a vraiment trop de monde. Paris is too crowded ou too touristy. Il y a trop de touristes à Paris. Paris is too touristy. Vous pourriez répondre totally. Totally. Et vous répondriez oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est clair. C'est pas quelque chose qui est familier, comme je vous le traduis par c'est clair ou clairement. On aura tendance à trouver que c'est un petit peu familier en français, mais en anglais, vous pourriez l'utiliser sans problème. Totally, absolutely, qui veut dire clairement ou je suis tout à fait d'accord avec toi. Comment dire ok ou ça marche? Ok, tout simplement, ou alright. Alright. Si la personne vous dit let's meet tonight at 6 in front of the bar. Let's meet tonight at 6 in front of the bar. On se retrouve à 18h ce soir devant le bar. Et vous pouvez dire alright. Juste ok. Vous confirmez que vous êtes d'accord. Comment dire bien sûr? Sure. Sure. Ou également of course. Of course. Si la personne vous demande par exemple can I borrow your phone? Of course. Of course. Can I borrow your phone? Est-ce que je peux t'emprunter ton téléphone? Et au lieu de répondre juste yes, qui serait oui, vous pourriez répondre sure ou of course, bien sûr, bien entendu. Comment dire bien sûr que non? Of course not. Of course not.
Si la personne vous demande par exemple, Do you smoke? Of course not. Of course not. Est-ce que vous fumez? Vous voulez seulement mettre une réponse un peu plus enthousiaste que juste no, dire non. Of course not. Of course not. Bien sûr que non. Ça montre que vous êtes vraiment convaincu par ce que vous dites. Comment dire si ça ne te dérange pas? If you don't mind. If you don't mind. Vous pourriez par exemple demander Could you open the window if you don't mind? Est-ce que tu pourrais ouvrir la fenêtre si ça ne te dérange pas? Could you open the window if you don't mind? Ou alors, I prefer to stay at home if you don't mind. I prefer to stay at home if you don't mind. Je préférerais rester à la maison si ça ne te dérange pas. Comment traduire l'expression? Ça me dit quelque chose ou ça me rappelle quelque chose? It rings a bell. It rings a bell. Littéralement, ça sonne une cloche, mais c'est exactement la même expression qu'en français. Par exemple, vous écoutez une chanson, It rings a bell. Ça me dit quelque chose. Ou alors la personne vous demande, Do you know this word in English? Do you know the word scrumptious? It rings a bell, but I'm not sure. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas vraiment sûre. Ça me dit quelque chose, it rings a bell. Comment dire, ok, ça me va ou ça semble bien? Sounds good. Sounds good. Ou l'expression complète, it sounds good. It sounds good. Littéralement, ça sonne bien, mais en français, on dira, ça me semble pas mal ou ça me semble bien. Par exemple, vous devez aller partir en vacances. La personne vous dit, we're going to travel by train instead of taking the plane because it's cheaper. Sounds good. Sounds good. On va prendre plutôt le train par rapport à l'avion parce que c'est moins cher. Et vous dites, sounds good. Ça me semble pas mal, ça me semble bien. Comment dire, je ne suis pas sûre? I'm not sure. I'm not sure. Comment dire, je ne suis pas encore sûre? I'm not sure yet. I'm not sure yet. Lorsque vous utilisez la négation et que vous rajoutez yet, ensuite vous dites ne pas encore. Par exemple, I haven't finished my homework yet. Si vous dites I haven't finished my homework, je n'ai pas fini mes devoirs. Si vous rajoutez yet, je n'ai pas encore fini mes devoirs. I haven't finished my homework yet. Si la personne vous demande par exemple, Where are you going to travel for your next holiday? Where are you going to travel for your next vacation? Où est-ce que tu vas voyager? Où est-ce que tu vas aller pour tes prochaines vacances? I'm not sure. Je sais pas, je suis pas sûre. Ou I'm not sure yet. Maybe Italy or Spain. I'm not sure yet. Je suis pas encore sûre. Peut-être l'Italie, peut-être l'Espagne. Comment dire je comprends ou je comprends cela? Vous pourriez dire I understand. I understand. Ou Yeah, I get that. I get that. Get ne peut pas s'utiliser tout seul. Vous pouvez pas seulement dire I get. Ça n'aura pas de sens. Mais si vous dites I get it ou I get that, vous dites je comprends. Si vous mettez au passé, I got that ou I got it. Ça veut dire j'ai compris. Si vous voulez dire avec understand au passé, I understood. I understood. La personne pourrait vous demander Sorry, I spoke a bit too fast. Did you get that? Sorry, I spoke a little fast. Did you understand that? Désolé, j'ai parlé un peu vite. Est-ce que vous avez compris? Vous pourriez répondre yes. Vous pourriez répondre of course. Vous pourriez répondre également I got that. Ou I understood. J'ai compris. Ça peut également vous servir dans une autre situation. Si la personne vous dit I'm sorry madam, you cannot bring your backpack with you. I'm sorry madam, you cannot bring your backpack with you. Désolée madame, vous ne pouvez pas emmener votre sac à dos avec vous si vous partez dans un musée ou quelque chose comme ça. Vous pourriez dire I get that. I get that. Oui, je comprends tout à fait. Comment dire désolé, sous-entendu, c'est ma faute. My bad. My bad. Qui littéralement veut dire mon mauvais. My bad sera désolé, c'est ma faute. Si vous rentrez dans quelqu'un sans faire exprès, vous pouvez, la personne fait tomber quelque chose, vous pouvez dire oh, sorry, my bad. Sorry, my bad. Si vous dites sorry, vous dites désolé, my bad, c'est ma faute. Ça marche également si vous faites une erreur, la personne vous demande Do you have your boarding pass, sir? Do you have your boarding pass, sir? Est-ce que vous avez votre carte d'embarquement, monsieur? Vous lui tendez la mauvaise, elle vous dit It's the wrong one. It's the wrong one. Oh, my bad. Oh, my bad. Vous lui dites, oups, désolé, c'est ma faute.
sans, même si c'est pas forcément quelque chose de grave, et vous lui tendez la nouvelle carte d'embarquement. Vous pouvez également dire here you go ou there you go en tendant la carte d'embarquement. Également utiliser cette expression sorry en faisant monter votre voix pour dire pardon, désolé, je n'ai pas compris. Sorry? Sorry? Si vous voulez demander confirmation parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez compris. Comment dire vas-y, dis-moi, lance-toi lorsque vous voulez inviter la personne à vous dire quelque chose. Go ahead. Go ahead. Si la personne vous dit par exemple I wanted to tell you something, but I'm not sure you have time for that. I wanted to tell you something, but I'm not sure you have time for that. Yeah, go ahead. Yeah, go ahead. Je voulais te dire quelque chose, mais je suis pas sûre que t'aies le temps là. Et vous dites, si, vas-y, dis-moi tout. Comment dire, amuse-toi bien ou profite bien. Enjoy. Enjoy. Vous pourriez dire par exemple, cette expression, si la personne part en vacances, so, I'm gonna go on vacation to the Canary Islands. I'm gonna go on vacation to the Canary Islands. Je pars en vacances aux îles Canaries. Oh, nice. Enjoy. Oh, nice. Enjoy. Vous lui dites, profite bien, amuse-toi bien. Comment dire, et toi, et vous, lorsque la personne vous pose une question et que vous voulez lui retourner la même question, ou alors seulement lorsque vous dites, vous racontez quelque chose, par exemple, ce que vous allez faire ce week-end, et vous demandez à la personne, et toi, et vous, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? And you? And you? Vous pouvez également dire, what about you? What about you? Ou encore, how about you? How about you? Vous pourriez dire par exemple, next weekend, we're gonna go camping with my family. Next weekend, we're gonna go camping with my family. How about you? How about you? Le week-end prochain, on va partir faire du camping avec ma famille. Et vous? Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Une expression un peu plus familière, comment traduire non sérieux ou tu déconnes? Shut up. Shut up. Littéralement, en anglais, ça veut dire, on dit tais-toi ou même ta gueule. C'est pas hyper poli, mais vous pouvez l'entendre dans de nombreuses séries Netflix et vous l'entendrez couramment utilisé par certains Américains. Donc, à ne pas utiliser dans la plupart des contextes, mais vous allez certainement l'entendre. C'est une expression qui vise à montrer l'incrédulité lorsque quelqu'un vous dit quelque chose qui paraît extravagant. Par exemple, look at this woman there. I follow her on social network and she earns $100,000 a month. This girl there that I follow on social network earns $100,000 a month. La personne répondra, shut up, I don't believe you. Donc cette fille que tu vois là-bas, je la suis sur les réseaux sociaux, elle gagne $100,000 par mois. Et vous répondez, non, je te crois pas, tu déconnes. Si vous voulez utiliser le même genre d'expression en étant un petit peu plus poli, vous pourrez dire, seriously? Seriously? Qui veut dire, sérieusement, je ne te crois pas. Comment dire, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est égal. It doesn't matter. It doesn't matter. Si la personne, par exemple, vous dit Do you prefer to eat fish and chips or do you prefer to go to McDonald's? Do you prefer to eat a fish and chips or go to McDonald's? It doesn't matter. It doesn't matter. Ça n'a pas d'importance, ça m'est égal. Comment traduire l'expression si tu le dis ou si vous le dites? If you say so. If you say so. Cette expression sera utilisée si la personne vous dit quelque chose que vous ne croyez pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment d'accord. Par exemple, I think Berlin is much more expensive than Paris. I think Berlin is much more expensive than Paris. Je pense que Berlin est beaucoup plus cher comme ville que Paris. If you say so. If you say so. Si tu le dis, ça veut dire je suis pas tout à fait d'accord, mais je veux pas non plus te montrer que tu as tort. Une autre expression pour montrer que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. J'en doute. I doubt it. I doubt it. Attention, ne prononcez pas le B, ne dites pas I doubt it, mais I doubt it. I doubt it. Si par exemple la personne vous dit I'm sure we're going to catch the plane. We're going to be on time. I'm sure we're going to be on time and catch the plane. Je suis sûre qu'on va être à l'heure et qu'on va avoir l'avion. Vous dites I doubt it. I doubt it. Moi, j'en suis pas super sûre, je pense plutôt qu'on va le rater. Comment dire « je n'en sais rien » ou « je n'en ai aucune idée » I have no idea. I have no idea. Si par exemple, la personne vous demande « Do you know what is the capital of Brazil ?» I have no idea. I have no idea.
Tu connais la capitale du Brésil? J'en ai aucune idée, j'en sais rien. Comment dire si seulement? If only. If only. Si la personne vous dit quelque chose que vous êtes persuadé qu'il n'arrivera pas mais vous aimeriez bien, par exemple, I wish in the future everyone would travel by bike. I wish in the future that everyone would travel by bike. Et vous répondez, if only. If only. J'espère que dans le futur, tous les gens voyageront en vélo. Et vous répondez, si seulement. Vous répondez que ben, vous aimeriez bien, mais que vous pensez que ça n'arrivera pas. Vous pouvez également utiliser if only, plus un prétérit derrière, pour dire si seulement je pouvais, si seulement j'avais, etc. Par exemple, if only I had more time. If only I had more time. Si seulement j'avais plus de temps. If only I was rich. If only I was rich. Si seulement j'étais riche. Notez qu'on utilise bien le prétérit en anglais, alors qu'en français, on a un imparfait. Comment dire si seulement je pouvais? If only I could. If only I could. Si la personne vous propose quelque chose et que vous voulez pas dire non seulement, mais que vous voulez dire non, merci, c'est gentil, mais je ne peux pas malheureusement, vous pouvez répondre if only I could. Par exemple, do you want to come with us next weekend to go camping? Do you want to come with us next weekend to go camping? Est-ce que tu veux venir avec nous le week-end prochain pour faire du camping? If only I could. If only I could. Ce sera beaucoup plus poli que dire seulement « nope, nope ». Vous pouvez également dire « if only I could » et continuer votre phrase « si seulement je pouvais voyager plus ». « If only I could travel more ». « If only I could travel more ». Comment dire « pas à pas » ?« Step by step ».« Step by step ». Par exemple, la personne vous dit « Learning a foreign language is very hard. It takes so long. »« Learning a foreign language is very hard. » It takes so long. Apprendre une langue étrangère, c'est vraiment long. Ça prend vraiment de temps. Et vous pourriez lui dire, it's not that hard, step by step. It's not that hard, step by step. Ce n'est pas si compliqué, un pas après l'autre, pas à pas, petit à petit. Vous pourriez mettre step by step dans une phrase complète. If you go step by step, you will succeed. If you go step by step, you will succeed. Si tu vas un pas après l'autre, petit à petit, tu vas réussir. Une expression que j'espère vous n'aurez jamais utilisée, on ne sait jamais, comment dire toutes mes condoléances. Si c'est pour la perte d'un animal de compagnie, ça marche également. Vous pourriez dire I'm so sorry for your loss. I'm so sorry for your loss. Vous pourriez parfois l'entendre dans certaines séries ou dans certains films. I'm so sorry for your loss. Littéralement, veut dire je suis vraiment désolée pour votre perte. Comment dire j'ai bien peur de ne pas pouvoir? I'm afraid I can't. I'm afraid I can't. Si par exemple la personne vous propose quelque chose de nouveau, do you want to join us for dinner? Do you want to join us for dinner? Au lieu de répondre non, je ne peux pas venir avec vous pour le repas du soir, vous pourriez répondre I'm afraid I can't. I'm afraid I can't. Le mieux sera de rajouter pourquoi ou de trouver une excuse valable juste après plutôt de dire bah, malheureusement je peux pas. Vous pourriez répondre I'm afraid I can't. I have my sister coming over tonight. I'm afraid I can't. I have my sister coming over tonight. J'ai bien peur de ne pas pouvoir. Ma sœur vient me rendre visite ce soir. Comment dire, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon truc. It's not my cup of tea. It's not my cup of tea. Vous pourriez également dire It's not my thing. It's not my thing. Littéralement, ce n'est pas mon truc. Vous pourriez demander par exemple Do you like thrillers? Do you like thrillers? Ou do you like horror movies? Do you like horror movies? Est-ce que tu aimes les films d'horreur? It's not my cup of tea. Ou it's not my thing. Si la personne en face de vous adore et vous dit est-ce que toi aussi tu aimes, essayez d'utiliser plutôt ce genre d'expression plutôt que de dire I hate that. I hate that. Je déteste ça. Ça passera mieux de dire bah c'est pas trop mon truc pour pas vexer, c'est la personne que vous avez en face. Comment dire? Vraiment? Pour demander confirmation. Vraiment? Really? Really? Si la personne vous dit My wife speaks 10 foreign languages fluently. My wife speaks 10 languages, foreign languages fluently. Ma femme parle 10 langues étrangères couramment. Really? Really? Vraiment? Ou vous pourriez dire qui est un petit peu moins impoli. Seriously? Seriously? Qui veut dire sérieusement? Préférez peut-être le premier. Really? Vraiment?
vous montrez votre incrédulité, vous y croyez pas tellement, c'est impressionnant. Vous pourriez rajouter « Really? That's impressive. Really? That's impressive. » Vraiment, c'est impressionnant. Comment dire « Burk? Burk. Ooh. Ooh. » Alors ça, c'est pour tout ce qui est un petit peu dégoûtant, mais qui se mange pas forcément. Vous avez une poubelle renversée dans la rue. Ooh. Vous montrez votre écœurement. Au lieu de dire « It's disgusting », que vous pouvez également utiliser, c'est dégoûtant. « It's disgusting », vous pourriez seulement dire « Ooh », comme on dirait « Oh, berk » en français. Comment dire « Miam » si quelque chose a l'air bon. « Yum », vous pouvez également dire « Yum, yum » ou également « Yummy ».« Yum », »,« Yum, yum » ou « Yummy ». Vous pouvez également utiliser « Yummy » dans une phrase complète en disant « Wow, this looks yummy ».« Wow, this looks yummy ». Vous passez devant une pâtisserie, vous voyez un gâteau et vous dites « Waouh, ça a l'air délicieux ». « Yummy » dans cette phrase veut dire « délicieux ». Comment dire « bah » ou « bark » quand vous goûtez quelque chose ? « Yuck ». « Yuck ». Si la chose a l'air dégoûtante. Comment dire « sérieusement » ou « t'es sérieux ? » ?« Are you serious ? » ?»« Are you serious ?» Si la personne vous dit par exemple « I'm gonna try bungee jumping next summer. »« I'm gonna try bungee jumping next summer. » Je vais essayer le saut à l'élastique l'été prochain. Are you serious? T'es sérieux? Pour montrer que vous êtes choqué, que vous n'y croyez pas. Comment dire oh mince? Vous pourriez dire oh no, avec le ton qui va bien. Oh no. Également oh shoot. Oh shoot. Si la personne par exemple vous dit we plan to go on a picnic next weekend, but the weather is terrible. We have to stay home instead. We plan to go on a picnic next weekend, but the weather is terrible. So we will stay at home instead. Notez que instead veut dire à la place. On avait prévu un pique-nique le week-end prochain, mais la météo est horrible. On va plutôt rester à la maison à la place. Et vous pourriez dire oh no, oh shoot. Et vous pourriez ajouter that's too bad, that's too bad, qui veut dire c'est vraiment dommage. Comment dire tu as raison. You're right, you're right. Notez qu'on ne dit pas « you have right », mais bien « you are right ». Notez également qu'on va faire la contraction, on ne va pas dire « you are right », qui serait trop long, mais « you're right ».« You're right », qui veut dire « tu as raison ». On pourrait dire « you're so right ».« You're so right ». Si la personne vous dit « living in the countryside is much better than living in the city ».« Living in the countryside is much better than living in the city ».« You're so right ». You're so right. Vivre à la campagne, c'est bien mieux que vivre en ville. Et vous répondez, t'as tellement raison. Celle-là, vous n'allez peut-être pas l'utiliser très souvent, mais comment dire, tu as tort. Ou il ou elle a tort. You're wrong. You're wrong. Pour dire tu as tort, si c'est il ou elle, ce sera peut-être plutôt plus plausible si vous parlez de quelqu'un d'autre. He's wrong. She's wrong. Elle a tort. Toujours pareil, on utilise le verbe to be. Être plutôt qu'avoir en français. You're wrong. Tu as tort. Comment dire mince dans le sens c'est dommage. Bummer. Bummer. Il y a également une expression plus longue pour dire c'est dommage. What a shame. What a shame. Si la personne vous dit par exemple we had to cancel our trip to Madrid. We had to cancel our trip to Madrid. On a dû annuler notre voyage à Madrid et vous pourrez répondre bummer. Bummer, qui veut dire « Ah, c'est dommage » ou « What a shame ». « What a shame » qui correspond également à « C'est dommage ». Comment dire « Tu rigoles ? Tu déconnes ? » ?»« Are you kidding ? Are you kidding ?» Si par exemple la personne vous dit « I'm gonna quit my job. I'm gonna quit my job. Are you kidding ? Are you kidding ?» La personne vous dit « Je vais quitter mon boulot, je vais démissionner. » Sérieusement ? Tu déconnes ? Vous pouvez également dire « Seriously ? Are you kidding ?» Seriously? Are you kidding? Comment dire? C'est pas possible. C'est pas possible. Ou comment c'est possible? Vous avez plusieurs alternatives. 3. How is this possible? How is this possible? Vous pouvez également dire How is this even possible? How is this even possible? Vous rajoutez encore plus d'impact en avant de phrase. Vous pouvez également dire How come? How come?
Faites bien attention à cette petite expression. Maintenant que vous la savez, vous allez la trouver un petit peu partout. Elle est très couramment utilisée. Si par exemple la personne vous dit My wife went on a business trip to Japan, but now she's stuck there and she cannot come back. My wife went on a trip or business trip to Japan and now she cannot come back, she's stuck there. Ma femme est allée en voyage d'affaires au Japon, mais elle ne peut plus revenir, elle est coincée là-bas. Vous répondez How is this even possible? How is this even possible? Comment c'est possible? Ou alors, how come? How come? Vous voulez une explication. Ça aura beaucoup plus d'impact que juste demander why? Why? Qui veut dire pourquoi. Vous allez aussi fréquemment entendre la petite expression how come au début d'une phrase complète, d'une question complète par exemple. How come do you speak so well English? How come do you speak so well English? Je vous souhaite de l'entendre un jour. Comment c'est possible que tu parles si bien anglais? How come do you speak so well English? Ou alors, how come are you always so optimistic? How come are you always so optimistic? Comment ça se fait que tu es toujours autant optimiste? Comment traduire pourquoi ça? Ou pourquoi cela? Why that? Why that? Si la personne vous dit, can I borrow your car? Can I borrow your car? Est-ce que je peux emprunter ta voiture? Why that? Pourquoi ça? Comment demander pourquoi faire? What for? What for? Can I borrow your car? What for? Can I borrow your car? What for? Est-ce que je peux emprunter ta voiture? Pourquoi faire? Comment dire par hasard? By chance. By chance. Par exemple, tu n'aurais pas des allumettes par hasard. You wouldn't have matches by chance. You wouldn't have matches by chance. Comment dire quelle coïncidence? What a coincidence. What a coincidence. Si la personne vous dit par exemple, I traveled to France and I visited your city 10 years ago. I traveled to France and I visited your city 10 years ago. J'ai voyagé en France, j'ai visité la France et j'ai même visité votre ville là où vous habitez il y a 10 ans. Oh, what a coincidence. What a coincidence. Quelle coïncidence. Comment dire quelle bonne idée? What a good idea. What a good idea. Vous pouvez également dire what a lovely idea. What a lovely idea. Par exemple, why don't we meet tomorrow night with our friends? Why don't we meet tomorrow night with our friends? Et si on se retrouvait demain avec tous nos amis? What a good idea. What a good idea. Quelle bonne idée. Comment dire ça ne peut pas être vrai, c'est pas possible. That can't be true. That can't be true. Comment dire? Tu es sûr? Are you sure? Are you sure? Par exemple, notre avion de demain est annulé. Our plane tomorrow is cancelled. Are you sure? Are you sure? Tu en es sûr? Comment dire prends soin de toi? Vous pouvez utiliser prends soin de toi pour dire vraiment à la personne qu'elle doit faire attention ou seulement pour dire au revoir, surtout aux États-Unis. Take care. Take care. Vous entendrez également take care of yourself. Take care of yourself. Comment dire à plus tard ou juste à plus? À plus tard. See you later. See you later. Pour dire à plus, see you. See you. Ou même, encore plus court, see ya. See ya. Comment dire j'ai hâte? Ou j'ai hâte d'y être? I'm looking forward. I'm looking forward. Ou I'm looking forward to it. I'm looking forward to it. Si par exemple, I'm gonna invite you over for dinner soon. I'm gonna invite you for dinner soon. Je vais t'inviter à prendre le repas du soir chez nous bientôt. I'm looking forward to it. Ou juste, I'm looking forward. I'm looking forward. Qui sera, j'ai hâte. Ou, j'ai hâte d'y être. Comment dire, j'ai hâte. Une autre expression. I can't wait. I can't wait. Par exemple, my best friend is gonna visit me next week. My best friend is gonna visit me next week. I can't wait. I can't wait. Ma meilleure amie me rend visite la semaine prochaine. J'ai hâte ou je peux pas attendre. Une autre expression pour dire j'ai hâte, je suis hyper content. I'm so excited. I'm so excited. Ou I'm pumped. I'm pumped. Pour dire c'est mignon, c'est gentil, c'est sympa, etc. Quel est le début de phrase à utiliser? That's. That's. Vous pouvez ensuite ajouter n'importe quel adjectif pour dire c'est plus quelque chose. Par exemple, that's adorable. That's adorable.
C'est vraiment adorable, c'est vraiment très gentil. La personne vous offre quelque chose, des fleurs par exemple. Un petit garçon vous apporte des fleurs et vous dites « Oh, that's adorable, c'est tellement mignon. » Vous pouvez dire « That's nice, that's nice. » C'est gentil, c'est sympa. « That's sick, that's sick. » Attention, « sick » veut dire être malade, mais dans ce contexte-là, « that's sick », ça veut dire « c'est génial, c'est hyper cool. » C'est très familier, donc l'utilisez pas forcément à toutes les sauces. « That's awesome, that's awesome. » C'est génial. That's dope. That's dope. Également familier qui veut dire c'est trop cool, c'est génial. Ou c'est sans sas. That's sweet. That's sweet. C'est une autre façon pour remercier. Par exemple, la personne a fait quelque chose de très gentil pour vous. Au lieu de dire thank you. Thank you so much. Vous pouvez dire oh, that's sweet. That's sweet. C'est mignon, c'est gentil, c'est adorable. That's brilliant. That's brilliant. C'est génial, c'est super, c'est brillant. Surtout par exemple pour une idée. I had a new idea for the project. Vous expliquez votre idée. That's brilliant. That's brilliant. C'est vraiment génial. Vous utilisez brilliant souvent avec idea. That's a brilliant idea. C'est une idée brillante, dans le sens une idée géniale. Vous pourriez également dire that's lovely. That's lovely. Qui veut dire c'est très sympa ou alors c'est beau. That's fantastic. That's fantastic. C'est fantastique, c'est super. That's awful. That's awful. C'est terrible, c'est horrible. That's horrible. That's horrible. La personne vous dit, il y a eu un accident de voiture hier, je sais pas où. That's horrible. That's horrible. C'est horrible, c'est terrible. That's terrible. That's terrible. Qui veut dire terrible, mais aussi dans le sens très mauvais. Par exemple, listen to her when she speaks English. She's terrible. Ou that's terrible. Pas très sympa, mais tant pis. Écoute, là, quand elle parle anglais, c'est horrible, dans le sens, c'est très mauvais. That's terrible. Ou alors, pour parler d'un film ou d'un livre, I've watched this movie, it's terrible. I've watched this movie, it's terrible. J'ai regardé ce film, il est vraiment super mauvais. Et la dernière expression, that's sad. That's sad. C'est triste. N'hésitez pas à utiliser that avec d'autres adjectifs, comme par exemple, c'est surprenant. That's surprising. That's surprising. C'est surprenant. Ce que je vous propose maintenant de faire, c'est de télécharger le PDF, de lire les expressions en anglais pour vous habituer à les pratiquer, à les prononcer. Plus tard dans la journée ou le lendemain, vous pouvez revenir sur ce PDF, cacher les mots en anglais et essayer de retraduire de nouveau du français vers l'anglais.